2014 a été une année charnière pour la Société Nautique de Monaco avec l'inauguration de ses nouveaux locaux dans le remarquable paquebot de verre aux côtés du prestigieux Yacht Club. Avec ses nouvelles installations et l'impulsion des entraîneurs, le nombre d'adhérents n'a cessé d'augmenter. L'Aviron est devenu une véritable institution à Monaco et la Société Nautique un véritable pivot du sport en principauté. On a des résultats aujourd'hui qui sont uniques par rapport à la taille du pays, par rapport à la taille de nos capacités. Pour vous donner une idée, si on parle des Jeux Olympiques ou des Championnats du Monde, aujourd'hui, nous, on a 3 rameurs qui ont un niveau international. C'est notre vivier. Si je compare aux États-Unis, dans la même catégorie, il y a 20 000 personnes. Donc vous imaginez quand on envoie des rameurs à l'autre bout du monde et qu'ils reviennent avec des titres, notre fierté, parce que ce qui veut dire c'est que d'une part, tout notre corps d'enseignement est excellent, notre structure est excellente et puis on a des rameurs aussi de qualité incroyable. 2015 a été une année exceptionnelle au niveau des résultats. 7 rameurs ont décroché en novembre dernier à Lima au Pérou une médaille d'or au championnat du monde d'aviron en mer. Ils ont remporté le titre suprême en double et en 4 de couple avec Barreur. Après cette saison remarquable, le club a tenu à mettre à l'honneur ses sportifs. La famille de l'aviron s'est déplacée en nombre pour ce moment chaleureux. Les présentations sont faites ce jour-là par Jean-François Gourdon, le président de la Société Nautique, en présence du prince Albert, des membres du club et de nombreuses personnalités. Ça avait une saveur assez particulière quand même, parce que là on a l'hymne national, et on ne réalise pas en fait au début, on est vraiment content d'être là. Et après, quand on y repense, on se dit qu'on a vécu quelque chose qui était vraiment hors du commun et merveilleux quoi. Quelle est ou quelles sont les principales difficultés dans votre sport qu'on ne connaît pas forcément ? L'entraînement. Parce que ce soit en aviron de mer ou en aviron de rivière, l'entraînement c'est 90% du travail qu'on effectue et les courses c'est 10%, en fait c'est la partie qu'on voit de l'iceberg. Mais tout le travail qu'une course d'aviron représente en termes de préparation, en termes de musculation, en termes de kilométrage en bateau, c'est absolument impensable et donc le rameur se doit d'être fort, particulièrement fort à l'entraînement pour préparer au mieux chacune des échéances qui sont malheureusement très peu nombreuses et qu'on ne peut pas louper. À sa création, il y a plus de 150 ans, la Société Nautique comptait 50 adhérents. Aujourd'hui, ils sont plus de 300. Autre constat, l'aviron scolaire est devenu un nouveau vivier de rameurs. Chaque année, plusieurs centaines de jeunes découvrent ce sport et apprennent à ramer dans les eaux monégasques. L'éducation nationale nous apporte sur un plateau, je veux dire, 850 jeunes chaque année. Donc ce sont des jeunes qui n'ont jamais vu un bateau d'aviron de leur vie. Ils arrivent, ils découvrent. Alors bien sûr, tous n'adhèrent pas, mais nous, déjà, ça nous permet de repérer ceux qui sortent un peu de la ligne, on les ramène. Et puis on leur fait découvrir l'aviron. Ils viennent ensuite à l'UNSS, qui est la section, je dirais, club de l'éducation nationale. Ils viennent ramer le mercredi, c'est la première étape. Et puis après, voilà, ils aiment l'ambiance, ils aiment le sport et ça fonctionne bien. 2016 sera une année riche pour l'aviron monégasque avec, pour la première fois dans l'histoire de la principauté, l'organisation à Monaco des championnats du monde des clubs de mer. Plus près de nous sera organisée la 12e édition du Challenge Prince Albert II, une compétition qui chaque année réunit l'élite de l'aviron mondial. Autre temps fort, la participation attendue et espérée de Quentin Antonielli aux Jeux Olympiques de Rio cet été. Et ce jeune étudiant en 3e année STAPS a hâte de représenter les couleurs monégasques et de vivre de nouvelles sensations. Les Jeux Olympiques, c'est vraiment quelque chose d'énorme. J'ai eu la chance de participer 2 fois aux Jeux Olympiques universitaires, qui sont donc le 2e plus grand événement sportif après les Jeux Olympiques. Et c'était vraiment déjà une expérience particulière de voir tous les autres sports à côté de nous, de pouvoir côtoyer au réfectoire des athlètes, des handballeurs, des nageurs. C'est vraiment une ambiance super, super cool, quoi. Et aux Jeux Olympiques, c'est ça, et encore en plus grand et encore en plus prestigieux, quoi. Enfin, les Jeux Olympiques, c'est une institution, ça date de 1896, et c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et tout sportif veut y participer parce que c'est un accomplissement dans une vie de sportif, quoi.
Pour clore la cérémonie, des photos des champions du monde ont été dévoilées aux invités. Photos qui ont ensuite été dédicacées par les rameurs et par le prince Albert, dont le grand-père, Jacques Kelly, fut triple médaillé d'or olympique en aviron dans les années 20. Et pour mesurer le chemin accompli, pour célébrer cette belle réussite, il était normal de sabrer le champagne, tout en pensant aux prochaines étapes qui attendent les rameurs monégasques. Voilà.